Dans un mois, 33 ans. Il me vient à l'idée que c'est terrible, mais je ne sais absolument pas comment je serai, ce que je serai après. Un vieux de quelle sorte? Et qu'au fond, ça serait maintenant le moment merveilleux pour mourir si je croyais à la littérature. Alors qu'est-ce que je fais? Je meurs ou non? Professions have you had? First of all, I was an engineer because I didn't know anything about mathematics. It's just like Italian, you know, so I had to learn about it. So I learned mathematics and I was an engineer. And it was very convenient because I wanted later to do some silly things, let's say, and I had to get a diploma to do it conveniently. You became a writer instead. No, I was engineer first, but during my working hours I had some, let's say, spare time, so I was writing books. Jamais elle n'a donné que des concerts privés. Yvonne est une jeune femme de bonne famille. Elle affectionne aussi la harpe et voue à l'opéra une passion qui décide du prénom de ses deux aînés, Lélio et Boris, comme Boris Godounov. Mais surtout, Yvonne a la passion des enfants. Au fil des années 20, naît une fratrie. Trois frères, une sœur, la dernière, Ninon, près de Boris. Les enfants de l'amour. Yvonne a 8 ans de plus que Paul, mais elle est sûre de ses sentiments. Paul Vian est un aristocrate. À 20 ans, sa voie est tracée, il est rentier, un acharné du loisir. Ses premiers pas, il les a faits dans l'hôtel Salé, aujourd'hui musée Picasso, alors propriété de son père, Henri Vian, bronzier d'art réputé, qui a épousé l'héritière des papeteries Navarre. La vie doit être une fête, toujours légère pour le père de Boris. C'est là son vrai travail. Une vie érudite qui se partage avec les amis à Ville-d'Avray, entre Versailles et Paris. Avec pour décor une maison de campagne du Second Empire, les Fauvettes. Pour Lélio, Boris, Alain et Ninon, c'est tous les jours dimanche. Les Fauvettes sont le monde, un jardin extraordinaire où le réel ne pénètre pas et que prolonge la forêt des Jeux, le parc de Saint-Cloud, qui commence derrière la maison. Une vie pour jouer, avec le bonheur d'avoir ses parents toujours à soi. Chaque année, en juillet, c'est le grand départ dans la torpedo familiale. La même destination, toujours, pendant 18 ans, au-delà de Cherbourg, la pointe du Cotentin. Un rivage ignoré des touristes, un pays sauvage. Sur la colline de Landemer, trois chalets en pin de Norvège qu'Yvonne a apporté à la famille. Pour les enfants, un autre royaume, mais à l'écart du monde encore. Avec pour seul échappé la grande plage qui leur appartient. L'autre territoire des Jeux. Sous l'œil vigilant toujours d'Yvonne, la mère Pouche. 1929, la grande crise. Paul avait placé toute sa fortune en bourse. Il voit s'effondrer son capital. Il est ruiné.
Il faut travailler, il n'a aucun métier. Il devient représentant pour des médicaments miracles. Et pénètre un autre monde, celui des boutiques, des marchés de banlieue qu'il prospecte avec une fourgonnette. Pour survivre, il faut maintenant quitter la grande maison et la louer. Paul déplace sa famille de quelques mètres dans la maison du gardien. Elle est trop petite pour accueillir cette personne. Il la rehausse lui-même d'un étage, avec l'aide des deux derniers domestiques. Et sans un mot, sans une plainte, sans argent, tout continue comme avant, les plaisirs et les jeux. Dans la maison de maître s'est installée une famille de musiciens, les Menuhin. 6 heures par jour, Yehudi travaille son violon. L'enfant prodige a 3 ans de plus que Boris. Les deux amis s'affrontent aux échecs. 12 ans, Boris souffre d'un rhumatisme cardiaque. On découvre une déficience de la valve aortique, une malformation du cœur qui ne s'opère pas à l'époque. Il porte en lui la catastrophe. Il devient un éphémère. Il est un enfant malade, différent, couvé, étouffé par une mère toujours anxieuse. Peut-il prendre appui sur son père? Paul est un copain, il n'est pas l'homme du malheur, mais d'un monde idéal qu'il lègue à son fils. Le mépris de l'argent, de l'armée, de l'église, des valeurs d'anarchiste que Boris reprend à son compte. Le monde enchanté peut être aussi un piège. Ce que j'ai attendu pour qu'il vienne quelque chose. Mais on ne peut pas passer sa vie avec une mère trop affectueuse, à la sensiblerie, sans être comme du flan au lait, mou et blanc. Ça me fait quand même plaisir de dire que j'aimais bien mon père. Mais il a eu tort de ne jamais avoir une bonne engueulade avec ma mère. Il fallait sortir de ça. Il fallait filer de la couveuse. Je sais pas, moi je me sentais comme un rat dans un piège. C'est par la radio qu'Ufovet s'introduit le réel. Il vient d'Amérique, la musique des Noirs, le jazz. Une musique qui, pour Boris, s'incarne dans une figure. Duke Ellington. Ellington est le pourvoyeur du rêve, l'amour de toute une vie. Le jazz, pour Boris, est davantage qu'une musique. Il est la lumière, l'oxygène, l'espérance. La vie telle qu'elle doit être, libre, exaltée. Il intègre le premier foyer du jazz en France, celui du quintet de Django Reinhardt. Seul, il apprend la trompette. Il exauce en même temps l'attente familiale. 2 fois par jour, le train pour Paris, la gare Saint-Lazare, le lycée Condorcet, où il prépare l'école centrale. Et ce fut le concours pour une grande école. La rue est contenue de 1000 bons crétins, vers 200 places. Se lever dans les matins lourds d'orage latent et le cœur qui s'affole. Il est reçu. Un rang moyen, mais peu importe. Il aura son diplôme. Des adolescents retenus dans le parc de l'enfance par leurs parents. 3 frères qui maintenant ont d'autres désirs. Comment faire? S'inventer un piège à filles? Alain, le cadet à la batterie,
Elio à la guitare, le premier orchestre. Dans le jardin, on construit une salle de bal. De toute la banlieue ouest, et même de Paris, accourent les souris. Les surprises parties des frères Vian, deux fois par semaine, pendant 5 ans, l'assurance de la fête. La musique est bonne fée, chacun a trouvé sa chacune. Boris est doté d'une fiancée, Monette, l'élu de son premier vrai champ d'expérience, la jeune fille. J'aimais bien danser aussi. Il fallait qu'elle danse bien et de près. Ça, j'adorais ça, je jure. Le nez dans les cheveux, avec arpèges, troubles délicieux. Slips spéciaux de sport, masochisme intégral sans aucun doute. Je manquais affreusement du vrai culot, et j'avais un affreux autre genre de culot, le culot du maître de maison permanent. Deux surprises parties par semaine pendant 4 ou 5 ans, ça vous colle un peu l'aisance du taulier professionnel. Ah, et puis quoi? J'avais 1m85, je dansais pas mal, je savais choisir les disques. Je sais, j'ai jamais eu beaucoup de peine à leur faire accepter de se laisser serrer un peu les petites. Embrasser une fille que je trouvais moche, même saoul et bien excitée, et je me lavais la gueule à l'alcool à 90 toute la soirée. J'avais peur d'une maladie quand elles étaient moches, c'est terrible. Ça, c'est drôlement vrai. Laideur et maladie, ça allait ensemble. Automne 39, la drôle de guerre. Boris part pour Angoulême où l'école centrale s'est repliée. Le premier autre monde. Dans la bibliothèque municipale, l'école centrale. Un élève ingénieur en proie bientôt au cafard. Presque chaque jour, il écrit à sa mère, sa vieille pouche. Nombreux à l'école sont ceux qui vont partir pour la guerre. Boris a le cœur malade, il est exempté. Sa vie est là, dans la physique des métaux, fiévreuse et préservée. On a été logés chez l'habitant. J'avais la photo de Monette sur ma table de nuit. Je lui écrivis des lettres. Oh, que chaste! J'ai toujours eu honte d'écrire des « je t'aime ». C'est bien un signe que je ne les aimais pas. Il y eut un mois de janvier, de février si froid, et des humidités de mars qui nous firent tant boire. Les bains bourgines dans la Charente, ravissante au nénuphar. Et encore tant de désirs et d'incertitudes. Et la plus complète indifférence aux graves problèmes de l'heure, qui n'étaient graves au fond que pour ceux qui en sont morts. Juin 40, l'exode. Dans la grande Paccard, la famille descend vers Angoulême à la rencontre de Boris. On trouve refuge sur la côte landaise, près d'Osgore, à Cap-Breton. Une villa de location qui donne sur la mer, sur les rencontres. Celle de Michel Léglise, une jeune Parisienne laissée seule par ses parents. Et à travers elle, celle de Jacques Loustalot, qui a 15 ans, un œil de verre, et déjà se présente comme le major de retour des Indes. Les Allemands sont à Paris, ils sont loin, dans la Pinède pour les enfants des Parisiens. C'est le temps des vacances. C'était Abondante surprise partie, ou faisant du gringue à la dite Michel sur l'air de Begin the Begin. Je gonflais sans doute mon slip, de sorte que je me dis, ma foi, dans une de ces crises de franchise que j'ai, au fond, souvent avec moi, « Mais Vian, tu es résolument polygame ?»
Août 40. Faute d'essence, la famille rentre en train à Ville d'Avray, occupée par les Allemands. Moi, je savais même pas de quoi tout ça retournait. Mon ignorance de la chose politique a perduré à un point inimaginable jusqu'à 30 ans au moins. J'avais vraiment trop de choses à faire, centrale, la trompette, les filles, pour m'occuper de tout ça. Les temps sont lourds et aux fauvettes, la légèreté reste un devoir. Les plaisirs et les jeux reprennent leur empire. Un club est formé, le Cercle Le Gâteux, avec plusieurs sections, sa carte de membre, ses statuts auxquels il faut prêter serment. Ses tournois, comme ceux des Bourrimés, où l'on tire au sort les rimes de futurs alexandrins. Nous nous baisions quand je vis l'ombre d'un tapir passer, ma bien-aimée, dans ta noire prunelle. Je me levais, sans qu'il puisse émettre un soupir, d'un coup de gandoura, je tuais le rebelle. Ces journées, Boris les passe à Paris, à Centrale, pendant 2 ans encore. Il sortira 54e sur 72. Michel vient l'attendre à la sortie de l'école. Chaque jour, elle le raccompagne à la gare Saint-Lazare. Il lui offre un bouquet de violettes. Ils ont 21 ans et toute leur innocence. Le couple vit un temps à Ville d'Avray sous le regard de la mère Pouche. Michel pose pour L'Oréal, elle gagne le premier argent. Elle offre aussi un fils à son mari, Patrick. Boris acquiert également le prestige de l'ingénieur. Il choisit la FNOR. Un univers bureaucratique. Il normalise les formats de bouteilles. Seconde après seconde, le temps glisse visqueux dans le tube des jours. Il s'attache aux parois, s'attardant aux détours, puis s'écoule et je reste avec mon âme vide. Novembre 44, Paul Vian, son père, est assassiné. D'une balle de revolver dans le ventre. Par qui, pourquoi, on ne le saura jamais. À 4 heures du matin, 3 hommes se sont introduits dans la maison. Un coup de feu est tiré dans la cuisine. Les fauvettes sont vendues. Le réel s'empare du royaume, du jardin, de la salle de bal. Les meubles, les objets familiaux sont dispersés aux enchères. Pendant 15 jours, Boris ne parle pas. Il vit chez les parents de sa femme, rue du Faubourg-Poissonnière, dans un vaste appartement. La trompette est son ami. Le jazz ressuscite le désir de vivre. Partout fleurissent alors des orchestres de jeunes. Les Américains ne libèrent pas seulement la France. Ils libèrent le jazz, cette musique de noir, censurée par l'occupant. La musique de la liberté, une déferlante sur les radios à travers le pays. Muni d'une trompette que Michel lui a offerte, Boris va s'y dédier tout entier. Avec ses deux frères, Lélio et Alain, il intègre l'orchestre de Claude Abbadie, qui joue le premier jazz, celui de la Nouvelle-Orléans. Un orchestre qui se produit 3 fois par semaine au gala des écoles, dans des tournois amateurs, et surtout pour les GIs qui les payent en nature. Permettant d'améliorer l'ordinaire, à l'époque des tickets d'alimentation. Ans. Boris est à la croisée des chemins. Il était musicien, un trompette honnête, mais sans illusion. Son cœur le limite. Il va devenir écrivain.
Déjà à la FNOR, puis à l'Office du papier, il a su employer utilement son temps, découvrant d'instinct l'usage du tiroir de droite. Il a écrit. Le major, ignorant brusquement la présence de Fromental, saisit Zizanie par la taille, à deux mains, et lui dit « Vous dansez avec moi ?» Elle répondit « Mais oui !» Et il lui glissa sa main droite près du cou, pendant que, de sa fenêtre, il pressait les doigts de l'enfant blonde, posée sur son épaule musculeuse. Sa chance se décide comme une partie d'échecs du cercle legateux. Boris remet le manuscrit à son meilleur ami d'alors, François Rostand, qui le remet à son père, Jean Rostand, le biologiste, qui lui-même le fait lire à Raymond Queneau, secrétaire général des éditions Gallimard. Une écriture née comme un jeu. Boris brosse la légende des surprises parties de Ville d'Avray et du monde de la FNOR. Un récit destiné aux amis qui devient livre des éditions Gallimard. Il côtoie les figures du milieu littéraire. Raymond Queneau qui devient son ami. Jean Paulhan, le redoutable directeur de la NRF. Et avec Michel, Sartre et Simone de Beauvoir, avec qui d'emblée il place les relations sur un pied d'égalité. Ce sont les mœurs du jazz que Boris introduit dans le monde des écrivains. Au sein du groupe, il n'y a pas de hiérarchie. Chacun reste soi-même, libre et créateur. Sartre est séduit. Il ouvre à ce jeune homme les colonnes de sa revue, publiant d'abord des fragments de ses premiers manuscrits, puis lui offrant une chronique, une plage d'absolue liberté dont Boris s'empare pour un joyeux chahut, proposant même un plan de rénovation de la revue. Adopter la formule qui a fait le succès de Robinson ou d'autres hebdomadaires pour les jeunes. Faire un petit journal illustré avec articles en couleur, le coin du Boy Scout, etc. Tirer sur rouleau hygiénique. Faire des numéros odorants à feuilles détachables. Sacrifié sur l'autel du sérieux, Boris voit ses chroniques refusées. Cette colère qu'il porte en lui, il la projette dans la peinture. Qu'il signe Bison, pour Bison Ravi. L'anagramme de son nom. Le voici qui expose dans la galerie de Gallimard auprès des plus grands noms. Queneau croit en Boris. Il lui demande un nouveau manuscrit qui pourra recevoir la consécration Gallimard, le prix de la Pléiade. Boris est galvanisé. Les bonnes fées de son enfance n'ont pas menti. Il se voit intégrer le club le plus fermé, celui des grands écrivains français. Devenir un familier du Saint des Saints, le bureau des Gallimard. Le réel prend les couleurs du rêve sous le ciel de Duke Ellington. J'oserais pas, dit Colin. Et puis il lâcha à Lise et alla inviter Chloé. Elle le regarda. Elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit, transmis du cerveau, le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Un livre écrit en deux mois. Boris refuse le beau style. Sur chaque thème, en jazzman, il improvise. Une histoire d'amour à travers le regard de l'enfance. Une jeune fille qui porte dans son cœur la catastrophe, le nénuphar qui l'emportera. Des adolescents pris entre l'idéal et le réel. Marcel Arlan n'aime pas ce livre. Le prix de Gallimard sera attribué à Jean Grosjean. Le rêve de Boris se fracasse sur le réel. J'ai pas gagné le prix de la Pléiade. Je pleure tout le temps. Queneau. Sartre apprendra qu'ils m'ont dit en rigolant à ne pas écrire des poésies mystères. Alors je m'y mets. J'ai mal à ma rapière, mais je ne le dirai jamais. Deux mois plus tard, à Saint-Jean-de-Monts,
Boris se lance dans une autre écriture, une blague de vacances dont il va porter le poids toute sa vie. Ok, dis-je. Je ne vois pas pourquoi je ferais des manières. Je fis exprès de prendre mon temps. Je sais ce que je vaux à poil. Et je vous assure qu'ils eurent le temps de s'en rendre compte pendant que je me déshabillais. Un récit où se mêle le roman noir américain pimenté d'érotisme qu'on s'arrache à l'époque. Le malaise des Noirs, la ségrégation qu'il a découverte par le jazz. Et des fantasmes issus des bains dans la Charente à Bourgine. À Buckton, Lee Anderson possède les jeunes filles du drugstore. C'est un noir qui a franchi la ligne. Sa peau est blanche. Lee poursuit une vengeance, celle de son frère assassiné par des blancs. Il choisit deux sœurs de la bourgeoisie blanche. L'une après l'autre, il les possède. Puis les massacre. Violence sadique qui mène à l'autodestruction. Ceux du village le pendirent tout de même parce que c'était un nègre. Sous son pantalon, son bas-ventre faisait encore une bosse dérisoire. Un livre écrit pour rendre service à un ami éditeur en quête d'un premier succès. Pour le plaisir du canular aussi, celui d'inventer un auteur qui n'existe pas. Mais le succès ne vient pas. Quand un représentant de commerce assassine sa maîtresse en laissant près du corps le livre ouvert à la page du meurtre. Chacun suspecte Boris Vian d'être l'auteur de ce livre pousse au crime. Il s'en défend. Maintient la fiction d'un auteur américain, Vernon Sullivan, maudit dans son pays. Et étaye ses dires en traduisant son livre en anglais. On s'arrache ce livre qui a l'odeur du soufre. 500 000 exemplaires. La soudaine fortune pour Boris, qui claque la porte du bureau. La liberté, enfin. Rue Dauphine, à Saint-Germain-des-Prés, un bar d'ouvriers. Dans la cave, les enfants des beaux quartiers. Une jeunesse qui prolonge la vie souterraine de la guerre, mais cette fois, pour la fête. Une apprentie comédienne de 19 ans, Juliette Gréco. Alain Vian et Boris, le prince du tabou. Sa belle liberté, Boris l'emploie à des entreprises qui en valent la peine. Comme Bouliran achète une piscine avec sa femme Michel. Un court-métrage loufoque de Jean Suyeux que personne ne verra. Et bientôt légendaire. Boris l'insurgé exulte à tirer des poignards sur les policiers qui l'exècrent. Partenaire de toutes ses entreprises, son ami Jacques Loustalot, le major. Boris, dans ses livres, est l'historiographe du major, le chantre de ses exploits. Leur âme les rapproche, mais le réel les sépare. Boris est père de famille, prêt à tous les travestissements, à toutes les audaces. Le major est son double, agissant, sa liberté. Entre Boris et le major se joue une surenchère. Yeah.
jusqu'au jour où le major tombe ou se jette dans le vide. Jacques Loustalot meurt à 23 ans. Il reste pour la légende le major. Boris a perdu l'âme sœur. Il ne jouera plus de la trompette au tabou, qui va devenir un cabaret. Rue du Faubourg Poissonnière, au quatrième étage, il a le soutien d'une vie de famille. 6 ans après Patrick, est née une petite fille, Carole. Père de famille, un nouveau rôle qu'il explore également. Quand ses livres et ses articles lui en laissent le temps. À Jazz Hot, il a sa tribune qu'il tiendra gracieusement jusqu'à sa mort. Il y invente la critique de jazz sous le signe de la passion, d'une totale liberté. Prenant parti lors de la querelle du bebop pour Dizzy Gillespie, le barbare. Il l'accueille à Paris. Et l'introduit dans les caves de Saint-Germain. Comme Charlie Parker. Miles Davis, dont il est l'ami. Et enfin, Dieu lui-même, Duke Ellington, qu'il transporte comme une apparition dans le club Saint-Germain. Tout près du floor, la nouvelle cave. Mais avec une clientèle plus riche, plus âgée, les clameurs du tabou ne sont plus qu'un souvenir. La fête est finie. Celle de l'insolence, de l'insouciance, qui aura duré 3 ans. Pour les enfants du tabou, il faut maintenant rentrer dans le rang, devenir conforme, se préparer à une vie bourgeoise, dire adieu à la jeunesse. Sauf Boris, le réfractaire, pour qui la liberté est le seul oxygène possible. Au risque de compromettre son image, il continue à exploiter la veine des Vernon Sullivan. Le filon est épuisé. Le quatrième titre se vend à moins de 7000 exemplaires. Une liberté qui détonne avec l'ordre ambiant, le moralisme des années 50. Vernon Sullivan agonise et la justice prononce son arrêt de mort. Boris est poursuivi par une ligue d'action morale. J'irai cracher sur vos tombes est interdit. L'homme public est proclamé auteur pornographe. L'homme privé risque de perdre ses enfants. Même s'il n'a jamais été un père à plein temps, il aime Patrick et Carole. Les griefs avec Michel se sont accumulés dans la liberté d'après-guerre. Boris n'a plus d'argent. Jamais il n'a payé d'impôts, il est poursuivi par le fisc. Michel doit jongler avec le quotidien. Le contrat au sein du couple a subi des accrocs. Chacun poursuit des amours contingentes. L'écrivain, enfin, brade ses vrais manuscrits chez des éditeurs de pacotille qui aussitôt font faillite. L'herbe rouge, comme l'automne à Pékin, a fait l'objet d'un rejet poli de Gaston Gallimard. Boris y répond aussitôt. Mon cher Gaston, j'ai été un peu ému par le ton officiel et presque guindé de ta lettre. Crois bien que je comprends la gaudriole et ne te gêne pas pour m'inviter à un dîner de garçon. Je ne suis pas de ces gens snobs qui s'attachent aux formes. Aussi, la prochaine fois, j'espère que tu laisseras parler ton cœur. Une grosse bise à toute la petite famille. Ton pote. Gallimard, la maison reste pour Boris le seul éditeur possible. Hors de son sein, pas de littérature qui vaille. Elle rejette ses manuscrits, mais il reste assidu au cocktail du jeudi. Il y rencontre ceux qu'il a choisis pour famille. Jacques Audiberti,
Gaston Gallimard. Et un jour de juin 1950, une inconnue, Ursula. Elle a des yeux avec un peu d'huile sur les paupières et la figure en triangle, mais un vrai d'Euclide, avec la somme des angles égale à deux droites. De père suisse, de mère suédoise, Ursula Kübler a 22 ans. Elle danse pour Maurice Béjart, puis pour le ballet de Roland Petit. Son monde est la scène, elle s'exprime avec son corps. Boris sent qu'elle est sa chance, il la conquiert. Le nouveau couple intègre une chambre de bonne de 12 mètres carrés, près de la place Pigalle, dans un sixième étage du boulevard de Clichy. À 30 ans, la vie de bohème, une liberté qu'il paye de travaux forcés, les traductions. S'il devient nécessaire de gagner du temps, mettez 500 ou 1000 tonnes de bombes sur 40 ans et isolez la ville. Et puis attrapez-la et enlevez-la. Les mémoires du général Bradley, le bagne absolu pour celui qui écrira deux pièces contre la guerre. L'autre volet de l'écriture mercenaire est la course à la pige, les articles qu'il rédige en une heure, sous de multiples pseudonymes. Pour des revues comme Constellation, Art, France Dimanche. Il y tient le récit de sa vie quotidienne, il est chroniqueur. Familier des cocktails de lancement, comme celui de la revue de Jacques Laurent. Boris y côtoie Marcel Aimé, qu'il chérit. Paul Léoto, qu'il respecte. Ursula poursuit sa carrière, menant une vie de tournée. Une solitude nouvelle pour Boris, qui un soir de novembre commence un journal. J'écris tant de choses sans rien dedans, pour vivre, que ça me dégoûte de l'acte lui-même. Malgré l'envie que j'ai souvent et les idées que je voudrais bien coincer au passage, mais perdues irrémédiablement, comme des battements de cœur. Le temps, il me cavale au cul comme une charge de hulan. Et le cœur qui me gêne. J'ai pas bien le courage de continuer ce journal et il me donne quand même une impression de nécessité. Je cherche sans doute. Je cherche à éclairer tous ces trous de noir que j'ai derrière moi. Il faut encore fouiller, bêcher, creuser. Ce soir encore, je suis trop fatigué. Mais il faut que je marque le bruit de ses pas. Comme je la reconnaissais quand elle arrivait en haut des six étages, avec sa façon nette de marcher, Ursula. Mon bras me fait mal d'écrire. Elle sera là encore, ou ailleurs, mais avec moi. Saint-Tropez, à 32 ans, une pause de bien-être. Boris arrive avec sa voiture fétiche, une Brasier 1911, qui devient la vedette d'un film de Paul Pavio. Devoir de vacances auquel il se prête volontiers, en compagnie d'Ursula et de Michel Piccoli. Rue d'Aumale, près du port, une maison louée depuis 4 ans pour une bouchée de pain, quitte à la rénover un peu. Boris se sent chez lui dans la maison de la vie simple. Avec son ours, Ursula, une femme indépendante, légère, tonique. Celle qui lui convient. Partout, Boris est un compagnon qu'on recherche. On goûte son charme, son humour, sa grande gentillesse. Mais dans le regard des autres, est-il vraiment un écrivain? Ou bien un touche-à-tout dont les livres ont disparu, qui reste une promesse? L'été suivant, la Brasier le mène à Caen pour un spectacle musical dont il a écrit le livret, Le Chevalier de Neige, autour de Sylvia Montfort,
un succès populaire qui, 3 ans plus tard, devient un opéra. Le romancier fait une autre tentative, un sujet qu'il mûrit depuis longtemps et qu'il ancre dans le territoire d'enfance, à Landemer. 3 frères, comme Lélio, Boris et Alain. Des triplés, Joël, Noël et Citroën. 3 petits bonshommes, comme ceux qu'il sculpte. Mais avides de grandir, de prendre leur envol, de goûter à l'air de la liberté. Pour leur mère Clémentine, c'est là trop de danger. Pour leur salut, elle les enferme dans 3 cages. Histoire sinistre, décor lugubre. Dans la rivière d'enfance qui borde la propriété familiale, vit un homme qui repêche des détritus humains. Il faut que je les repêche avec mes dents. Dit l'homme. Les choses mortes ou les choses pourries. On les jette pour ça. Souvent, on les laisse pourrir exprès pour pouvoir les jeter. Et je dois les prendre avec mes dents, pour qu'elles crèvent entre mes dents, qu'elles me saoulent le visage. Ah non, il se propulsa vers un débris qui flottait et le saisit adroitement dans sa bouche. C'était une main assez petite, tachée d'encre. Il remonta. Tiens, dit-il en l'examinant. Le gosse de Charles a encore refusé de faire ses pages d'écriture. Le roman est refusé par Gallimard. La critique n'en parle pas. Un petit éditeur en vend 300 exemplaires. Le fiasco. J'ai essayé de raconter aux gens des histoires qu'ils n'avaient jamais lues. Connerie pure, double connerie. Ils n'aiment que ce qu'ils connaissent déjà. Mais moi, j'y prends pas plaisir à ce que je connais en littérature. Le réel ne veut pas de ces textes. Boris Vian n'écrira plus de romans. Un nouveau deuil, celui de la reconnaissance littéraire. Une nouvelle vie, un autre décor, une impasse provinciale qui donne sur le boulevard de Clichy, près de la place Blanche. Au dernier étage, la tanière de l'ours et du bison, qui d'abord est un chantier pour l'ingénieur. Boris devient architecte et son propre ouvrier. Construisant lui-même le décor, où il peut ranger ses livres et surtout ses centaines de disques de jazz. Pour le couple, un nouvel espace que prolonge sur le toit du Moulin Rouge une vaste terrasse qu'il partage avec Jacques Prévert. La science-fiction, un bonheur d'écriture enfin pour Boris Traducteur. Explorer, élargir le réel. Depuis toujours, le genre est une composante de son écriture. Il en rédige le premier manifeste en France. Boris invente la roue élastique dont il dépose le brevet, des scénarios de cinéma, trop fantastiques qu'on ne tourne pas. Il invente aussi des musiques et des paroles. Des chansons depuis longtemps pour son plaisir. Une voix qui devient professionnelle quand il rencontre Jacques Canetti, le directeur artistique de Philips, l'homme clé de la chanson française. Avec le pianiste Jimmy Walter, Boris apprend ce métier qui lui va comme un gant. Il écrit très vite des dizaines de chansons. Des chansons libres, inclassables.
dont personne ne veut à l'époque, et qui bientôt deviendront des classiques. Ah, Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Deux disques qui se vendent à 1000 exemplaires. Boris franchit alors le pas. Poussé par Jacques Canetti, il va défendre ses chansons sur scène, aux Trois Baudets. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Pétrifié par le trac, Boris réfrigère le public déconcerté. Mais il part en tournée, pour le plaisir aussi de conduire son Austin Healey. On arrive sur le boulevard sans retard, pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Tournée mouvementée, où il affronte les ricanements et parfois les sifflets de public hostile. Secoué aussi par les remous que suscite une chanson écrite pendant la guerre d'Indochine. Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. À Dinard, Boris affronte les anciens combattants qui montent sur scène, l'obligeant à arrêter son tour de chant. Il achève la tournée, mais arrête la scène. Un autre deuil, celui du chanteur-interprète. Tournée épuisante, Boris souffre d'un œdème pulmonaire. Ses bronches sont noyées d'eau. Sa vie tient à un fil. La mort est une compagne familière. Il la côtoie dans son séjour. Il lui dédie des poèmes qu'il ne montre à personne. Je mourrai sans m'en apercevoir que je meurs. Je mourrai enseveli sous les ruines sèches de 1000 mètres de coton écroulés. Je mourrai noyé dans l'huile de vidange, foulé aux pieds par des bêtes indifférentes, et juste après, par des bêtes différentes. Pendant des heures, il reste prostré dans sa cuisine. À 36 ans, un petit vieux. Ursula arrête les tournées pour être près de lui. Mais vieilliront-ils ensemble ? Le jazz, à nouveau, permet la résurrection. Chez Philips, Boris devient l'adjoint de Canetti. Il intègre la direction artistique, créant une collection bientôt célèbre. Une collection qui relève de l'apostolat. Il s'agit de transmettre la passion d'une mission d'intérêt public. La vie de représentation épuisante pour un homme en sursis. Boris souffre d'un autre œdème pulmonaire. Saint-Tropez à nouveau, mais en convalescence. Un revenant au paradis.
qui le plus souvent doit rester chez lui. Devant sa porte, il voit passer un autre monde auquel il est étranger. Qu'il porte en lui depuis 10 ans. Une grande maison où vit une famille. Tout se passera dans la maison. Un jour, le père reçoit une lettre et la famille qui vivait au rez-de-chaussée monte un étage. Les enfants qui sont encore jeunes entendent leurs parents qu'ils voient terrorisés parler de la lettre et de Hill, à cause de qui on est forcé de changer d'étage. Et ainsi de suite, ils monteront tous les étages. Le plafond sera de plus en plus bas et les meubles de plus en plus pauvres. Il y aura des déménagements furtifs dans la nuit, après des conciliabules à la porte. Jamais l'enfant, celui qui raconte l'histoire, ne sort de l'appartement. Ils vivent dedans avec des livres, des meubles, des souvenirs et des choses. Elle devient une pièce de théâtre que Jean Villard montra après sa mort. Voilà quelqu'un de rangé. Voilà. Quelqu'un de sérieux. 3 mois plus tard, une émission de télévision chez Juliette Gréco. Elle réunit les anciens du tabou, près de Marc Delnitz, l'exubérant. Boris est le plus timide, le plus réservé, le plus modeste de cette phalange glorieuse que Juliette Gréco présente au producteur Daryl Zanuck. Ça, c'est Boris Vian. Boris Vian, nous, on le connaît tous. Boris Vian fait des chansons, Boris Vian écrit des livres. Boris Vian, c'est quelqu'un qu'on aime infiniment. Ça, c'est le seul qui ne dise rien, ou presque, et dont personne ne soupçonne la maladie. Boris est maintenant responsable des disques Fontana, une plage de liberté que Philips a créée pour lui. Il est un homme pressé, qui vit dans les studios, écrit plus de 400 chansons. Il dirige des enregistrements célèbres et pousse encore plus loin le bouchon de la dérision. Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature. Moi, je préfère les marcher à pied. Salvador n'est pas seulement un chanteur, il est la vie. Ensemble, ils écrivent des dizaines de chansons. Boris l'introduit dans sa nouvelle famille, le collège de pataphysique. Sous le signe de la gidouille, la pataphysique est pour Boris davantage qu'une farce philosophique. Elle est une sagesse, une béquille qui lui permet d'accepter ses deuils, de relativiser l'échec. Une famille qu'il revendique au point de placer sur son palier le siège de sa magnificence, le vice-curateur du collège. Un des principes fondamentaux de la pataphysique est celui de l'équivalence. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous c'est exactement la même chose, c'est pataphysique. À nouveau, il étouffe. Il va chercher l'air tout au bout du Cotentin, à Goury. À l'hôtel de la mer, il écrit sa lettre de démission au disque Fontana. Mon cher Louis, par le même courrier, j'informe de ma décision de ne point renouveler mon contrat avec cette société que nous connaissons bien. C'est-à-dire que, sauf arrangement différent, je vous quitte le 15 avril. Ça m'embête parce que j'aime bien travailler avec vous, mais c'est vraiment pas rentable. Si après, carte de mon bout du monde. Entre mer et rocher, il projette de se faire construire une maison. À 15 km de Landemer,
des escaliers de son enfance, qu'il découvre, enseveli sous la jungle. La maison depuis la guerre a disparu. La prolifération végétale a détruit toute trace humaine. C'est le cauchemar de l'écume des jours. Je n'ai plus très envie d'écrire des poésies. Si c'était comme avant, j'en ferais plus souvent. Mais je me sens bien vieux, je me sens bien sérieux, je me sens consciencieux, je me sens paresseux. Vernon Sullivan n'est pas mort. Il a même engendré un film que Boris n'a pu empêcher et qu'il découvre en avant-première au mois de juin 59. Boris est mort 10 minutes après le début de la projection d'un malaise cardiaque, à 39 ans. L'auteur a été dévoré par sa créature. Il est mort en exil, au pays du scandale. Les amis de la chanson viennent lui dire au revoir. Georges Brassens, Henri Salvador. Sur sa tombe, aucune inscription. Il est libre. Près des bois de Ville d'Avray, ceux de son enfance. Les années 60. Une autre génération qui n'a pas connu la guerre. Des adolescents avides de liberté, pour qui la loi du père, le monde du devoir, se sont effondrés. Une ère dont Boris était le prophète. Son livre manifeste devient un emblème. Un manifeste qui partout reçoit le même écho. Sa notoriété devient planétaire. Le voici qui rejoint la bibliothèque de la Pléiade, la consécration de Gallimard. Boris Vian s'est trompé, ou bien l'a-t-il deviné? Son rêve avait raison, c'est lui qui est devenu le réel. Un pâle éclat du pays. Gelati, spaghetti, fritati, legumi, salami. Panino, vitello, formaggio e brodo di pollo. Se n'ha gasosa e cioccolata. Le signori sono serviti.